On lit ensemble, s'il vous plaît, ce soir, dans le livre de la Genèse, au chapitre 35. Genèse, au chapitre 35. Pour ceux qui n'étaient pas ici à soir, on peut-être dire que on essaie de continuer le sujet qu'on a abordé au mois de novembre à propos des quatre patriarches qui se trouvent dans le livre de la Genèse, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et on avait parlé un peu au mois de novembre à propos d'Abraham et ses autels, d'Isaac et des puits. Et hier soir, on a essayé de parler un peu sur Jacob et les monuments que lui a érigés pendant sa vie. On essaie de finir sur Jacob hier soir, mais on n'a pas réussi, donc on va continuer ce soir en comptant le Seigneur, sur le Seigneur pour son aide. Et peut-être une autre occasion, si le Seigneur le permet, on pourra essayer de parler un peu sur Joseph. Et hier soir, on a lu dans le chapitre 28, et ce soir, on lit dans le chapitre 35. Peut-être avant de lire au chapitre 35, on devrait lire quelques versets au chapitre 34 pour le contexte. Au verset 30, à la fin du chapitre, chapitre 34, verset 30, « Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » Chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie, et nation une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays
que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Seigneur va bénir sa parole à nos cœurs. Vous avez sans doute remarqué que dans ces versets qu'on a lus, il est question de deux monuments. Un qui est érigé à Bethel et un qui est érigé sur le chemin d'Éphrata à quelque distance de Bethléem. Ça, c'est les deux monuments qui sont dans notre passage. Hier soir, on a lu à propos des deux premiers monuments. Genèse 28, c'est quand Jacob fuyait son frère Ésaü, et quand il est arrivé dans ce lieu, c'était juste pour Jacob un lieu quelconque. La ville s'appelait Luz. Il est arrêté là pour passer la nuit. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Comme le passage le dit ici, que c'était là que Dieu s'était révélé à lui. Et il a eu cette vision, vous vous rappelez, ce songe de l'échelle qui était dressée sur la terre, qui montait jusqu'au ciel. En haut, l'Éternel était là. Il y avait des anges qui montaient et descendaient. Et Dieu a parlé à Jacob en songe. Il a entendu la voix de Dieu. Et lorsque Jacob s'est réveillé de son sommeil, il a fait cette confession qui nous montre que Dieu lui a révélé quelque chose cette nuit-là. Il a dit ceci, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et on a fait remarquer hier soir, juste pour faire un petit résumé, que c'est la première mention de l'expression « maison de Dieu » dans la Bible. Cette expression-là est utilisée plus tard pour parler du tabernacle et pour parler du temple de Salomon. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'expression qui est utilisée dans 1 Timothée 3, verset 15, pour parler de l'assemblée locale. Et on a fait certaines remarques pour montrer que dans cette première mention, on a des indices très clairs. C'est quoi l'idée de la maison de Dieu? On ne va pas prendre le temps de tout repasser ça ce soir, mais c'est juste pour vous mettre un peu en ligne. Et on a vu aussi qu'il y avait un autre monument qui avait été bâti. C'est environ 20 ans plus tard, parce que de Bethel, Genèse 28, Jacob est allé chez Laban. Et là, il a travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa et 6 ans pour son troupeau. Si vous additionnez là, vous allez arriver à 20. 20 ans après, le Dieu de Bethel lui a apparu. Il a dit de quitter ce pays-là et de retourner en Canaan. Et il est parti en cachette de Laban,
ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et Laban l'a rattrapé après quelques jours. Ils ont eu cette rencontre un peu chaude sur la montagne de Galaad. Et c'est là que Jacob a dressé son deuxième monument. Et l'idée de ce monument-là était ceci, c'est que Jacob n'allait pas aller plus loin que ceci, et Laban n'allait pas revenir plus loin que ceci. C'était une borne de démarcation entre ces deux-là qui allait les séparer. Donc, on a fait remarquer que l'idée des monuments dans l'histoire de Jacob, c'est qu'est-ce qui nous fait penser à des événements ou des lieux importants que Jacob ne voulait pas oublier. Et parce que c'était si important pour lui, il a dressé des monuments. Juste une pierre à Bethel, qu'il avait pris pour son oreiller. C'est un lieu inoubliable, Bethel, pour lui. Et ces monuments-là étaient des témoins, des témoignages de certaines vérités. Maintenant, nous, on a lu ce soir, Jacob est revenu au pays. Et il n'est pas retourné à Bethel immédiatement comme il avait promis à Dieu de faire. Parce que dans Genèse 28, il avait fait un vœu à Dieu. Et il avait dit à Dieu, puisque Dieu est mon Dieu, qui va me protéger pendant le voyage, qui va me nourrir, me vêtir, me garder, quand il va me ramener dans le pays de mes pères, il dit, ce lieu sera la maison de Dieu pour moi. Et il dit, je donnerai la dîme de tous mes revenus. Il a fait un vœu à Dieu. Et maintenant, il est revenu, 20 ans plus tard, et ça fait à peu près 7 ans qu'il est revenu en Canaan, si mes calculs sont corrects. Mais il n'est pas retourné à Bethel encore. Il a passé du temps à Sukkot, il a bâti des cabanes, prospère dans le pays, il est à Sichem, mais il n'est pas retourné à Bethel. C'est comme s'il a été négligent dans l'accomplissement de ses vœux. Et au chapitre 34, il y a un très mauvais épisode dans sa famille. C'est là où Dina, sa fille unique, est déshonorée par Sichem. Et la conséquence de ça, les deux frères de Dina, Siméon et Lévi, se vengent. Et ils tuent tous les mâles de cette ville. Et comme on a lu à la fin du chapitre 34, Jacob est dans la peur parce qu'il dit, ces gens-là du pays, ils vont me frapper et vont me tuer avec ma famille. Ça, c'est l'atmosphère qui régnait dans la famille et dans le cœur de Jacob, dans la crainte. Dévasté par ce qui avait arrivé à Dina. Dévasté par ce que ses deux fils avaient fait. Grande épreuve dans la famille de Jacob. Ça devrait nous parler à nous qui sommes des parents. On n'est pas les premiers à passer par les épreuves avec nos enfants. Jacob a passé là bien avant nous autres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est dans ce contexte-là que Dieu parle à Jacob. Et Dieu dit à Jacob, « Jacob, monte à Bethel et fais un autel. » Et c'est comme si ça prenait cette parole de Dieu pour ressusciter dans le cœur de Jacob le vœu qu'il avait fait 27 ans avant et qu'il n'avait pas accompli. Et c'est ça qui le stimule à partir pour retourner à Bethel. Ça, c'est le contexte. Maintenant, on a remarqué hier soir que dans Genèse 28, le premier monument qu'il a érigé, ça nous parle de la révélation, parce que c'est à Bethel la première fois que Dieu s'est révélé à lui. Et on a fait une application à comment cela parle, comment Dieu se révèle aux pécheurs perdus dans l'assemblée locale, par l'Évangile, et comment Dieu révèle la vérité de l'assemblée locale à ceux qui sont déjà sauvés.
On a fait remarquer que le monument qu'il a érigé sur la montagne de Galaad, ça nous parle de la séparation, de la démarcation, des bornes que le chrétien doit avoir dans sa vie, qui ne vont pas dépasser. Et on a fait application ça dans les... comment on devrait garder nos distances, avoir des bornes, soit avec la famille, les inconvertis, peu importe, les anciens amis. Mais ici, ce monument ici a un autre aspect. Et on va revenir au début du chapitre, mais je veux vous attirer votre attention aux versets 13, 14 et 15 pour le moment. Je l'ai remarqué que dans ces versets, si vous avez votre Bible ouverte, il y a une expression à la fin des versets. À la fin du verset 13, le lieu où il lui avait parlé. Verset 14, le lieu où Dieu lui avait parlé. Verset 15, au lieu où Dieu lui avait parlé. Trois fois, dans ces versets-là, qu'est-ce qui est souligné par le Saint-Esprit? Ce n'est pas juste la répétition. Il y a une raison pourquoi c'est répété. C'est que Bethel est appelé le lieu où Dieu a parlé à Jacob. Dans ce contexte ici. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant si vous lisez la Bible d'Arby. Parce que dans la Bible d'Arby, c'est écrit un peu différent. Dans la Bible d'Arby, ce n'est pas marqué le lieu où il lui avait parlé. Mais c'est marqué le lieu où il avait parlé avec lui. Donc, c'est pareil. Pas tout à fait pareil. Le lieu où il lui avait parlé veut dire que Dieu avait parlé à Jacob. Mais quand c'est marqué le lieu où il avait parlé avec lui, ça implique que Dieu avait parlé à Jacob, mais que Jacob a parlé avec Dieu. C'est pas juste que Dieu a parlé à Jacob, mais il a parlé avec Jacob. Si vous et moi, on se rencontre, et vous me parlez, vous me parlez. Ça ne veut pas dire que moi je vous parle. Mais si vous parlez avec moi, ça veut dire que j'ai l'opportunité de parler aussi. Vous parlez et je parle. Vous parlez et je parle. Ici, Dieu parle à Jacob, Jacob a parlé avec Dieu. Donc c'est quoi l'idée à Bethel ici? Ce n'est pas l'idée de la révélation comme Genèse 28. Ce n'est pas l'idée de la démarcation ou la séparation comme Genèse 31. Ici, l'idée, c'est l'idée de la communion. Bethel ici, c'est le lieu où Jacob va avoir communion avec Dieu. Et Dieu va avoir communion avec Jacob. C'est pourquoi ici, il est question d'un autel. Genèse 28, il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas de sacrifice. Mais ici, il y a un autel. Il y a des sacrifices. Et il y a une libation aussi sur le monument. Donc ici, c'est l'idée de la communion. Communion dans la maison de Dieu. La communion à Bethel. Maintenant, frères et sœurs, on veut parler encore un peu plus ce soir sur la maison de Dieu. Comme le lieu où les chrétiens ont communion avec Dieu. Et j'aimerais commencer par demander une question à moi-même et à chacun de nous. Est-ce que pour moi, l'assemblée locale est le lieu où j'ai communion avec Dieu? Est-ce que c'est le lieu où j'entends la voix de Dieu, Dieu qui me parle, et le lieu où je parle avec Dieu? Vous savez, je pense qu'on peut dire ceci sans exception pour tous ceux qui ont saisi la base de l'assemblée. Signification de l'Assemblée, la raison d'être de l'Assemblée. Même si ce n'est pas des frères qui sont beaucoup éduqués dans la parole et qui ne connaissent pas beaucoup les Écritures, mais qui ont été saisis par la vérité de l'Assemblée locale, ils vont tous être d'accord pour dire ceci, que d'une façon collective, c'est la place où on est le plus proche du ciel sur la terre. Je n'ai pas entendu d'amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Moi, j'en suis convaincu de tout mon cœur. Les moments les plus précieux dans la vie chrétienne, je ne parle pas sur une base personnelle maintenant, on peut avoir ça à la maison aussi, mais d'une manière collective, les moments les plus précieux que j'ai jamais passés sur la terre, c'était dans les réunions de l'assemblée locale, avec mes frères et mes sœurs, lorsqu'on entend la voix de Dieu, et qu'on peut parler avec lui. Maintenant, ayant dit ça, on veut penser maintenant à qu'est-ce qui a précédé Genèse 35. Qu'est-ce qui a précédé ce voyage à Bethel? Deuxièmement, on veut penser à qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils sont arrivés à Bethel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et troisièmement, qu'est-ce qui est arrivé après qu'ils ont quitté Bethel? Certaines choses ont dû arriver avant qu'ils arrivent à Bethel. On a remarqué hier soir qu'une des choses qui devait arriver, c'est qu'ils devaient mettre ce monument de démarcation avec Laban. Une autre chose qui a dû arriver, il a dû régler ses problèmes avec Ésaü. Vous vous rappelez? Ésaü, il avait trompé Ésaü. 27 ans avant, jamais réglé ça, il s'est enfui. Maintenant, il faut qu'il regarde Ésaü en face, il faut qu'il rencontre Ésaü, il faut qu'il se réconcilie avec Ésaü. C'est quoi la leçon pratique? Pour chacun de nous, on ne pourra jamais jouir de la communion avec Dieu dans la maison de Dieu si on ne s'est pas réconcilié avec nos frères et nos sœurs. La leçon est claire. Si dans mon cœur, j'ai des rancunes, je refuse de pardonner, ou j'ai fait quelque chose et je ne me suis jamais repenti de ce que j'ai fait, je n'ai jamais mis en règle cette chose que j'avais fait de mal, et je ne suis pas dans une bonne relation spirituelle avec mes frères et mes sœurs, même si c'est juste une chose qui peut être très banale, si ce n'est pas réglé, il ne faut pas que je me trompe et que je pense que je peux continuer à être dans l'assemblée locale et jouir de la prière et jouir de l'adoration puis entendre la voix de Dieu et jouir de la maison de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Juste une question de temps, puis le chien va vous attraper. Vous dites, c'est quoi le chien? Votre péché vous attraper. Alors, pour un peu de temps, on peut continuer à faire la bonne chose de manière mécanique. Et après un temps, cette rancune qui est cachée dans mon cœur va me ronger comme un cancer. Il va me détruire. Sans compter le fait que ça peut faire du dommage à l'assemblée aussi. Donc, avant que Jacob monte à Bethel pour jouer de la communion avec Dieu, il doit être réconcilié avec son frère Ésaü. Deuxième chose, avant même qu'il rencontre Ésaü, Dieu doit travailler dans sa vie pour briser cette propre volonté dans le cœur de Jacob. Qu'est-ce qui arrive à Péniel? L'ange de l'Éternel qui lutte avec Jacob, qui le frappe à la hanche. Et depuis ce jour-là, Jacob boite. Une autre chose qui arrive. Chapitre 34, le malheur dans sa famille. Et je me suis demandé en lisant ces passages-là aujourd'hui, pour la première fois, si ce n'est pas une des raisons que Dieu a permis que ce malheur arrive dans sa famille. C'est parce que Jacob n'avait pas accompli ses vœux. Il avait tardé de monter à Bethel. Et parce qu'il se tenait loin de Bethel pour accomplir ses vœux, sa fille unique, Dina, une jeune fille, possiblement de 13 ans environ, a été déshonorée, a dû briser le cœur de ce père. Et pour défendre, pour venger leur sœur, les deux frères, ils agissent de manière cruelle, ils usent la ruse pour tuer toutes les mâles. Quel malheur! Est-ce possible, frères et sœurs, que parfois Dieu permet des petits malheurs ou des plus grands malheurs dans nos vies et même dans nos vies de famille pour nous ramener à Bethel, pour nous ramener à la maison de Dieu? Est-ce possible qu'on a fait des vœux à Dieu à propos de l'assemblée locale?
comme Jacob avait fait. Jacob s'était engagé devant Dieu. Il avait fait un vœu à propos de Bethel, mais il n'a pas accompli ses vœux. Hey, je suis pas mal sûr de ceci. Si ce n'est pas pour tous les chrétiens, c'est pour la plupart d'entre nous. Lorsque Dieu nous a montré la vérité de l'Assemblée et que cette vérité-là nous a saisi au fond de notre cœur, sans le dire de nos lèvres dans notre cœur, on a dit ceci. Ça, c'est la place où le Seigneur Jésus est au milieu. Ça, c'est la place où Dieu me veut. Ça, c'est la maison de Dieu. Et moi, je vais passer le restant de ma vie là. Je vais mettre toute mon énergie là. Ça va être au sein de ma vie. Toute ma vie va circuler autour de l'assemblée locale. Et Dieu nous a entendu, vous savez. Ah oui, Dieu nous a entendu. Il y avait une réponse dans nos cœurs et ça a touché le cœur de Dieu. Peut-être c'est arrivé 20 ans passés, 30 ans passés. Peut-être comme Jacob, c'est arrivé 27 ans passés. Est-ce qu'on a accompli notre vœu? Est-ce qu'on est aussi chaud pour l'assemblée locale ce soir qu'on était 27 ans passés? Est-ce que notre cœur est aussi occupé avec l'assemblée de Dieu, la maison de Dieu, qu'il était 27 ans passés? Ou est-ce qu'on est devenu occupé avec nos cabanes, comme Jacob à Sukkot, nos troupeaux, nos affaires, et on a négligé la maison de Dieu? Et on est exposé à la même chose. On n'est pas meilleur que Jacob. Hey, tu parles maintenant à Jacob. Hey, c'est comme c'est sous-entendu dans le message. Jacob, c'est le temps que tu accomplisses tes vœux, Jacob. Monte à Bethel. Monte à Bethel. Et pendant que Jacob était tremblant, effrayé que les gens du pays l'attaquent et le détruisent, il obéit à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi c'est marqué. Au chapitre 35, c'est là la raison pourquoi c'est marqué. Verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Dieu l'a protégé. Normalement parlant, naturellement parlant, les gens du pays ont attaqué Jacob. Mais parce que Jacob obéit à la voix de Dieu, Dieu a envoyé sa terreur. Et ces gens-là ont laissé Jacob tranquille. Ils ne l'ont pas attaqué. Voyez-vous? Comment est-ce que Dieu honore l'obéissance? Comment est-ce que Dieu honore la foi en lui? Jacob obéit, il n'y a pas besoin de craindre les peuples du pays. Dieu le protège. Vous savez, on a vu au mois de novembre, vous vous rappelez, quand Abraham a pris une décision hors la volonté de Dieu, il est descendu en Égypte et a essayé de se protéger lui-même. Il a fait compter des montrées à sa femme pour se protéger. Parce que lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, on ne peut plus compter sur la protection de Dieu. Il faut qu'on fasse nos propres plans pour se protéger nous-mêmes. Mais lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, on peut compter sur Dieu qui va nous protéger. Et voilà ce que Dieu a fait ici. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire ceci. Ce passage-ci confirme ce que le Nouveau Testament enseigne. Que la maison de Dieu, c'est une place de protection. Pas seulement pour moi, et pour ma femme, et pour mes enfants. Place de protection. Croyez-vous ça? Il y a des chrétiens, en les entendant parler maintenant, c'est comme si c'est dangereux d'être dans l'Assemblée. Non, non, frères et sœurs, il n'y a pas de place comme l'Assemblée locale pour nous protéger. Et le moment qu'on néglige les réunions de l'Assemblée locale, sans même abandonner l'Assemblée, on s'expose. Jacob aurait été protégé, sans doute, de tous les malheurs qui sont arrivés au chapitre 34, s'il serait monté à Bethel comme il avait promis de le faire. Est-ce que je parle à un frère ou une sœur ici ce soir? Et peut-être dans votre cœur des cœurs, vous dites, c'est bien vrai que je m'étais engagé sérieusement devant Dieu à me donner corps et âme pour l'Assemblée locale. C'est bien vrai que 20 années passées, c'était le sang de ma vie. Oh, mon frère et ma sœur, la
Est-ce que je peux t'encourager ce soir? C'est pas trop tard. Même si tu as été négligent, comme moi j'ai pu être négligent, c'est pas trop tard. Tu peux revenir. Tu peux ranimer la flamme dans ton cœur. Tu peux faire comme Jacob. Oh, mais tu dis peut-être, j'ai toutes sortes de problèmes dans ma vie, j'ai toutes sortes de problèmes dans ma famille. Hey, à quoi bon? Tout est perdu. Ah non, Jacob n'a pas raisonné de même. Jacob aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, à quoi bon, à la Bethel? Regarde ce qui est arrivé à Dina. Qu'est-ce que mes deux fils ont fait? Ils ont fait en sorte que mon nom pue, sent mal, mauvais témoignage aux yeux des gens de Sichem. Non, mais il obéit à Dieu. Peu importe comment loin on s'est éloigné, peu importe comment on s'est refroidi, peu importe qu'est-ce qu'on a fait de notre vie pour s'éloigner du Seigneur, il y a toujours un chemin de retour. Jacob le prouve. Une autre chose qui doit arriver avant qu'il aille à Bethel. Dieu lui a dit d'aller à Bethel et de monter à Bethel. Mais après ça, on voit Jacob agir. Il réalise ceci. Bethel, maison de Dieu, la porte des cieux, le lieu où Dieu administre, le lieu où Dieu gouverne, maison de Dieu, là où il y a communication avec le ciel, le lieu où Dieu habite, Bethel, le lieu redoutable, le lieu où je dois me comporter avec révérence, parce que c'est ça que le mot redoutable veut dire, révérence. Jacob dit, on peut parler de même. Non, on peut parler de juste de même. Il faut qu'on se prépare. Il faut faire des changements. Il parle à sa famille. Parle à sa maison et les autres personnes qui étaient avec lui, mais qui n'étaient pas de sa maison, pas de sa famille. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enlevez vos dieux, vos faux dieux, vos idoles. Deuxième chose qu'il dit, il dit, purifiez-vous. Troisième chose qu'il dit, il dit, changez de vêtements. On va monter à Bethel. On va parler là de même. Tu ne t'avais pas dit de faire ça. Vous remarquez, Dieu n'a jamais dit à Jacob, enlevez vos faux dieux. Dieu n'a jamais dit à Jacob, purifiez-vous. Dieu n'a pas dit à Jacob, il faut que vous changez de vêtements. C'est Jacob qui a décidé ça. Tu sais quoi, le point que tu veux faire? Le point que je veux faire est ceci. Parce que Jacob avait compris quelque chose à propos de la maison de Dieu, il savait qu'il y a une conduite qui doit correspondre avec la maison de Dieu. Ça, la même chose devrait être vraie pour nous autres. Si on a compris que l'assemblée locale, c'est la maison de Dieu, il devrait y avoir une conduite qui correspond avec, sans que Dieu ait à nous dicter tout ce qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Sinon, on est juste des robots que Dieu va programmer et déprogrammer. Non, on n'est pas des robots. Dieu nous révèle des vérités, comme il a révélé à Jacob à propos de Bethel. Et Dieu s'attend qu'on agisse par correspondance, par accord avec ça. Et Jacob savait, parce que Bethel, c'est la maison de Dieu, et parce que Dieu est là, et parce que Dieu gouverne là, et parce que c'est administré par Dieu, c'est gouverné par Dieu, on peut parler là comme ça. Donnez vos faux dieux. Faux Dieu. Qu'est-ce que Jacob faisait avec des faux dieux dans sa maison? Bien, n'oubliez pas ceci. Sa chère Rachel, vous vous rappelez? Rachel, il aimait beaucoup sa Rachel. Lorsqu'ils ont quitté la maison de Laban, qu'est-ce que Rachel a fait? Elle a volé les téraphimes de son père. Vous savez, c'est quoi les téraphimes? C'est des petits dieux miniatures, des petites statues. Pas des gros, des petits. Ben, elle les a cachés. Et Laban était furieux lorsqu'il a rencontré Jacob sur la montagne de Galaad. Il l'accusait de voler mes dieux.
Jacob ne savait pas ça. Et Jacob dit, périsse la personne qui, sur qui tu vas trouver tes dieux parmi nous. Examine, il a fouillé les tentes. Vous vous rappelez, il est arrivé dans la tente de Rachel. Et Rachel était assise sur le bas du chameau. Et les téraphimes étaient sous elle. Elle les a cachés. Son père les a jamais trouvés. Et Jacob ne savait pas non plus qu'ils étaient là. Mais elle avait des dieux qu'elle avait emmenés de chez Laban, chez son père. Des dieux cachés. Est-ce possible, frères et sœurs, que dans nos vies, il y a des dieux cachés? Des idoles? Vous dites, c'est quoi une idole? Une idole, c'est tout ce qui vient de moi puis Dieu, qui vole mes affections pour Dieu. Ah, ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. Ça peut être des petites idoles. Petites affaires qu'on peut cacher facilement. Peut-être c'est une idole qu'un mari a, sa femme ne sait pas qu'il l'a. Peut-être c'est une idole qu'une femme a, puis son mari ne sait pas. Regarde ça. C'est caché. Mais les choses qu'on cajole, les choses qu'on déguste dans le privé, le secret de notre vie, qui prennent la place de Dieu, une place plus importante que Dieu dans notre vie et dans nos cœurs. Jacob dit, donnez-moi vos dieux. On ne peut pas aller à Bethel avec ça. On ne peut pas jouer la communion avec Dieu dans l'assemblée locale si on a des idoles dans nos vies. Impossible. Mais plus que ça, vous savez ce qui est arrivé au chapitre 34? J'ai remarqué ça pour la première fois aujourd'hui. Que quand les fils de Jacob ont tué Sichem et tous les hommes de la ville, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils ont pillé la ville. Ils ont amené les trésors de la ville, les troupeaux. Ils ont amené les femmes et les enfants. Et lorsqu'il est écrit ici, au verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ça veut dire qu'il y a deux groupes de personnes ici. Il y a sa maison, ses fils, sa famille. Tous ceux qui étaient avec lui, ça comprend ses serviteurs. Et ça comprend aussi les gens qu'ils ont amenés de Sichem. Et aussi, il devait avoir des idoles. Donnez vos dieux. C'est beau de voir ici, frères et sœurs, comment Jacob prend ses responsabilités comme la tête du foyer. Pour passer par là-dessus. Il s'élève à la hauteur de la situation. C'est un homme qui fait face à ses responsabilités. Et il réalise ceci. Je suis responsable pour tous ceux qui sont sous moi. Mes enfants, mes serviteurs et même les gens qui ne font pas partie de ma famille, mais qui voyagent avec moi. Je suis responsable pour eux. Vous savez, il y a cette notion bizarre de nos jours parmi les chrétiens. Une notion qui est très étrange à la Bible. Que lorsque nos enfants arrivent à un certain âge, il faut laisser avoir la conviction pour les autres mêmes. Il faut les laisser décider pour les autres mêmes. Non, j'ai passé par l'homme aussi. Je sais de quoi je parle. C'est vrai que si nos enfants se disent sauvés, qu'ils arrivent dans l'adolescence, qu'ils devraient développer leur propre conviction, c'est vrai. Mais pas au point de faire contraire à ce que papa décide dans la maison. On ne les laisse pas développer leur propre conviction pour qu'ils puissent faire à leur guise lorsqu'ils sont sous mon toit. Non, non. Aussi longtemps qu'ils sont sous mon toit, ce n'est pas leur conviction qui décide. C'est la tête du foyer qui décide. Voilà ce que Jacob fait. Jacob est un homme dans sa maison. Il va décider pour sa maison. Il ne va pas demander l'avis à Léa, puis à Rebecca, puis à Rachel. Non, non. C'est lui qui décide. Est-ce possible, mes frères et mes sœurs, ce soir? Excusez-moi si ça paraît un peu... fort comme langage, il y a des personnes qui sont un peu dures d'oreille, il faut que je parle fort pour eux autres. Est-ce possible qu'il y a des foyers parmi nous où c'est plus le mari qui décide, mais c'est madame qui décide? Oh, vous allez dire, non, je ne serai pas ma femme décider. Mais vous arrivez, vous avez de la peine à résister à son influence. Et nous qui sommes les maris, pensons pas que c'est impossible d'être influencé par nos femmes. Et parfois, ça peut être une bonne influence. Mais oublions jamais ceci.
C'est le mari qui va rendre compte à Dieu pour qu'est-ce qui est permis sous son toit pour la femme. Jacob le démontre ici. Et j'espère que vous allez vous rappeler la parole qu'on a lue hier soir lorsqu'ils ont quitté là-bas. Vous vous rappelez ce que Léa et Rachel ont dit? Lorsque Jacob a dit, Dieu m'a apparu, le Dieu de Bethel m'a apparu et m'a dit de partir. Les deux femmes ont dit ceci, « Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit de faire. » Ils ont supporté, secondé Jacob dans sa décision. Et ça, c'est un bon message pour chacun de nos sœurs. Et on remercie Dieu pour les sœurs qui pratiquent ça. Et une autre chose qu'il a dit de faire, non seulement vos dieux, mais purifiez-vous. Parce que ça veut dire, bien, possiblement ça comportait un lavement dans l'eau du corps, mais ça, si c'était ça, l'idée, ça devait représenter une autre sorte de larme, une autre sorte de purification. Souillure morale et spirituelle. Et vous savez, frères et sœurs, chacun de nous, c'est un travail à plein temps de se purifier. Et comment est-ce qu'on se purifie? On se purifie lorsqu'on on se regarde dans la Bible, dans la parole de Dieu. On se regarde dans le miroir de Dieu et on voit les taches dans nos motifs, les taches dans nos paroles, les taches dans nos actions. À la lumière de la présence de Dieu, Dieu expose nos failles, nos manquements, nos péchés, nos souillures. Et la parole de Dieu, c'est l'eau qui nous nettoie, comme Jean 13 l'enseigne. Et sans cette pratique quotidienne, dans la vie de chacun de nous, on ne peut pas jouir de la communion avec Dieu dans la maison de Dieu. On sera englobé d'un nuage, enveloppé d'un nuage. Il pourrait y avoir peut-être d'autres chrétiens qui jouissent de l'assemblée locale, mais nous, on va être dans un nuage. C'est une chose qu'on ne peut pas se permettre à tout prix de négliger, c'est la confession de péché. Peu importe si ça fait 50 ans, 60 ans qu'on est sauvé. On ne peut pas. Parce que le moment qu'on néglige ça, on est sûr d'une chose. On ne pourra pas jouir de la communion avec Dieu, avec son peuple dans l'Assemblée. Une autre chose qu'il dit, changer de vêtements. Et c'est remarquable l'ordre ici. Il commence par les idoles. Après ça, il parle de la purification. Après ça, il parle des vêtements. Et l'ordre est remarquable. Il ne commence pas par les vêtements, il finit par les idoles. Il commence par les idoles. Pourquoi? Parce que les idoles, c'est qu'est-ce qui a fait des affections, le cœur. Et le vêtement, c'est qu'est-ce qui est visible à l'extérieur. Et l'ordre est clair. L'ordre nous montre ceci, c'est que les vêtements à l'extérieur doivent refléter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Changer de vêtements, il y a certains vêtements qui ne sont pas fit pour la maison de Dieu. Est-ce qu'on a appris ça? Je sais qu'on l'a déjà appris, mais j'ai crainte qu'il y en a qui l'oublient. Si on voit une sœur arriver à la réunion, elle est assise sur sa chaise, elle passe son temps à fortiller pour descendre sa jupe parce qu'elle est mal à l'aise, il y a un problème. Déjà, sa conscience la dérange, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous allez faire avec les frères qui sont assis en face d'une sœur de même? Ce n'est pas des vêtements qui sont faits pour la maison de Dieu, mes frères. Est-ce qu'on est clair? J'espère qu'on est clair. Et la personne qui fait ça ne devrait pas essayer de se cacher derrière le fait, bien, Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Non, non. Ton extérieur révèle qu'est-ce que dans ton cœur. La manière qu'on s'habille reflète qu'est-ce qu'on est devant Dieu. C'est pas juste le vêtement qui compte. On peut avoir l'extérieur correct, peut être loin de Dieu dans notre cœur. Je sais ça. Il ne faut pas penser que si l'extérieur est correct, tout est correct. Non, non. On peut avoir des idoles dans notre cœur pareil. Mais le point, ceci, on commence par le cœur. On commence par les idoles. On commence par nos affections. Et si ça, c'est en règle, ça devrait se manifester à l'extérieur.
Pensez pas que qu'est-ce qu'on essaie d'enseigner ici ce soir, c'est quelque chose qui est juste parmi les francophones ou qui est juste parmi les chrétiens. Parce qu'il y avait un temps où même les pauvres inconvertis dans le monde qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu en eux frissonnaient à voir la manière que les femmes s'habillent. Il y a un frère en Nouvelle-Écosse, M. Lionel Cress, un ancien pieux, un homme âgé maintenant. Il était barbier pour toute sa vie. Il m'a dit une fois, quand j'étais dans sa maison, il faisait les cheveux à un homme plus âgé que lui, des années passées, dans sa barbershop. Et le pauvre monsieur n'était pas un croyant, c'était pas un chrétien. Et il a dit ceci. Il dit, il y avait un temps où les femmes pouvaient s'asseoir sur leurs cheveux. Maintenant, ils ne peuvent même plus s'asseoir sur leur jupe. Donc, c'est un inconverti qui dit ça. Et nous autres, on tolère parmi nous autres les femmes qui viennent. Je parle des femmes dans l'assemblée maintenant. Si quelqu'un n'est pas sauvé, n'est pas dans l'assemblée, bien, c'est une autre histoire. Et quelqu'un qui est dans l'assemblée et qui s'habille comme le monde. Non, non. Il faut être clair là-dessus. J'ai encore pas compris ça. Si on ne comprend pas ça, et si on n'agit pas comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris le minimum d'une assemblée locale. C'est la maison de Dieu. Et pour moi, ça devait être merveilleux lorsque cette famille et cette troupe de personnes, les idoles sont enfouies sous le térébinthe. Ils ont été purifiés. Ils ont changé de vêtements. Elles montent ensemble à Bethel. Et remarquez, c'est marqué « monte à Bethel ». On ne descend jamais à Bethel, on monte toujours à Bethel. Comme Jérusalem, on ne descend jamais à Jérusalem, on monte toujours à Jérusalem dans la Bible. Et un beau portrait de l'assemblée locale dans le Nouveau Testament, c'est la chambre haute. C'est une chambre qui est au-dessus du niveau de la rue, avec des standards différents que ceux de la rue. Dans la maison de Dieu, il y a des standards de conduite qui sont plus élevés que ceux du monde. Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi, quand Paul écrit à Timothée, plutôt à l'Assemblée d'Éphèse qu'il écrivait, la lettre est adressée, mais il dit à Timothée, « Je t'écris ces choses, afin que si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » L'accent, c'est sur la conduite. J'essaie de penser un peu aujourd'hui à quelle sorte d'atmosphère devait régner dans cette troupe lorsqu'ils sont arrivés à Bethel. Et je ne peux pas faire autre que m'imaginer, frères et sœurs, que Jacob les a amenés à cet endroit-là, puis il a montré la pierre. Peut-être que ce n'était pas une grosse roche, peut-être que c'était juste haut de même, la hauteur d'un oreiller. Puis il les a dit. Il dit, 27 ans passés, quand je fuyais mon frère Ésaü, dans ce lieu ici, je me suis couché, et Dieu s'est révélé à moi. Dieu m'a parlé. C'est ici que Dieu m'a montré que c'était lui qui est au contrôle. Il m'a béni, il m'a promis la protection. Je l'ai connu pour la première fois ici, et j'ai élevé cette pierre comme un monument. Il devait avoir un peu d'émotion dans sa voix quand Jacob a dit cela à sa famille. Et la première chose qu'il a fait, il a bâti un hôtel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé, il a accompli ses vœux. Il a pris le dixième de tous les revenus. Il a pris les bœufs, des agneaux, des chèvres, puis les a donnés à Dieu en sacrifice sur l'autel. Et tu as parlé encore avec Jacob. Et Jacob a parlé avec Dieu. Communion avec Dieu, l'adoration. Et c'est à ce moment-là que Jacob a élevé un autre monument. Cette fois-ci, c'est pierre au pluriel. Pas juste une pierre, comme Genèse 28, c'était des pierres. C'était un monument plus éminent, plus gros. Et cette fois-ci, il n'a pas seulement fait que de verser de l'huile dessus, comme Genèse 28,
Mais il leur fait une libation. Vous dites, c'est quoi une libation? En anglais, c'est drink offering. C'est une offrande de liquide, une offrande de vin qui accompagnait le sacrifice d'action de grâce. Et cette offrande-là, la libation, c'est qu'est-ce qui exprimait l'appréciation de l'offreur et la joie de l'offreur et la consécration de l'offreur. Et quand Jacob oint d'huile ce monument et il verse la libation dessus, c'est évident. Jacob est en contact avec Dieu. Jacob jouit de Dieu. Jacob se réjouit avec Dieu. Il est prêt à adorer Dieu. Il est là avec sa famille. Vous savez, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on veut comme parents? On veut la même chose pour nos enfants. Jacob, la première fois qu'il est arrivé à Bethel, il était tout fin seul. C'était un homme d'environ 75 ans, peut-être 77 ans. Un bon vieux garçon. Et maintenant, il est encore beaucoup plus âgé. Il y a toute une famille avec lui. Il n'est pas satisfait de venir tout seul. Il amène sa famille avec lui. Oh, que Dieu ait pitié de nos enfants, sauf ceux qui ne sont pas sauvés. Et qu'on désire du fond de notre cœur, non seulement de les voir sauvés, mais de les voir dans l'assemblée de Dieu. C'est là le désir que Jacob avait. Est-ce qu'on peut dire une autre chose? L'autre monument, je sais qu'on pourrait dire plus à propos de Bethel ici, mais on va juste terminer la réunion en parlant un peu sur l'autre monument. Il quitte Bethel en chemin pour Bethléem. Bethel, maison de Dieu, Bethléem, maison du pain. Sur le chemin d'Ephrata, Rachel doit accoucher. Et cet accouchement-là, c'est un accouchement qui est très pénible. Au point qu'elle va mourir. Et la sage-femme dit, crains pas, un autre fils. Le premier fils qu'elle avait eu, c'était Joseph. Ça, c'est son deuxième fils. Et lorsqu'elle allait rendre l'âme, elle dit, le garçon, on va l'appeler Benoni. Ça veut dire fils de mes douleurs. Fils de mes douleurs. Mais Jacob dit, non. Il dit, on va l'appeler Benjamin. Fils de ma droite. Et Rachel meurt. C'est le seul fils de Jacob qui est né en Canaan. À moins qu'il n'y aurait eu d'autres par après, mais des garçons. Les autres ont tous nés pendant qu'il était chez Laban. Et dans, c'est remarquable que dans ce passage-ci, Genèse 35, il y a plusieurs funérailles. Il y a une naissance. La naissance de Benjamin. Une naissance qui a coûté la vie de la mère. Et cet événement-là, cet épisode-là, cet endroit-là, sur le chemin, entre Bethléem et Bethel, est tellement important pour Jacob qu'il a dressé un monument. Là. Et plus tard, si vous lisez dans le livre de la Genèse, il dit à Joseph, lorsqu'il va en Égypte pour voir Joseph, il dit, j'ai enseveli Rachel sur le chemin d'Ephrata. Il voulait faire sûr que Joseph puisse même retrouver là où sa mère avait été ensevelie. Il voulait seulement que ça soit oublié. Comment faire pour appliquer ça? Bien, je sais qu'on peut l'appliquer de plusieurs manières, peut-être, parce que Benjamin est un beau portrait du Seigneur Jésus, celui qui a connu la douleur et celui qui va régner un jour. Fils de ma droite, c'est celui que Dieu a élevé à sa droite et celui que Dieu établit comme le roi suprême. Et avant qu'il règne, il a dû passer par la douleur, la croix. Et j'aimerais l'appliquer d'une autre manière, brièvement. C'est que
dans l'assemblée de Dieu, on a besoin d'avoir des Benjamins. On a besoin d'avoir des hommes qui vont être pour Dieu des fils de ma droite, des hommes solides. Ce garçon-là allait être un appui pour Jacob dans sa vieillesse. On a besoin d'avoir, parmi les plus jeunes, Dieu élevé, des frères et des sœurs qui vont supporter les frères et les sœurs plus âgés dans la vieillesse. On ne peut pas juste dire les supporter par les prénoms par la main. Non, non. Les supporter spirituellement. Les supporter moralement. Les supporter dans leurs convictions. Et pour pouvoir avoir ce genre de chrétien-là produit et reproduit au sein de l'Assemblée, il y aura des douleurs. Ça ne viendra pas tout seul. Et ceux qui vont porter le gros des douleurs, ça va être nos sœurs. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça, mes sœurs, mais on a beaucoup besoin de vous. Et il n'y a personne qui peut faire la tâche que vous pouvez faire pour élever des enfants qui, par la grâce de Dieu, seront sauvés et auront du backbone. Ils auront de l'échine. Ils pourront se tenir debout pour Dieu. Ils pourront dire non quand c'est le temps de dire non. Et dans leur cœur des cœurs, ils vont être dévoués à Dieu. Ils sont prêts à payer pour ça. On ne va pas pouvoir voir élever des frères et des sœurs, des jeunes chrétiens, pour continuer l'œuvre. J'espère que vous y pensez à la continuité de l'œuvre. Pour pouvoir voir faire ça, à moins que des douleurs de notre part, il y ait des sacrifices de notre part. On ne va pas voir ça s'accomplir si on fait des compromis pour plaire à une génération plus jeune. On ne va pas voir ça s'accomplir, mes sœurs, si vous commencez à vous habiller comme les jeunes pour plaire aux jeunes. Et je dis ceci, c'est parce qu'il ne faut pas tout le temps penser que les jeunes sœurs sont à blâmer pour la manière qu'ils s'habillent. On a vu de nos propres yeux des mères de famille raccourcir leur jupe et leur robe parce qu'ils ont des filles dans leur adolescence. C'est triste. Qu'est-ce qu'on va produire avec ça? On ne va rien produire pour Dieu. Non, non, il faut être des exemples. Vous dites, où est-ce que tu prends ça dans la Bible? Bien, vous pouvez lire l'exemple de Samson et de sa mère. Samson devait être un Nazaréen pour Dieu. Et quand, avant que Samson naisse, que la naissance a été annoncée à la mère de Samson, vous vous rappelez ce que la mère de Samson a entendu? Dieu lui a dit, tu ne toucheras pas au produit de la vigne. Dieu lui a dit, tu ne toucheras rien d'un corps mort. Pourquoi? Elle devait faire, dans sa vie personnelle, ce que Dieu voulait qu'il soit fait dans la vie de son fils, Samson. Elle devait être Nazaréa elle-même afin de pouvoir produire un Nazaréen en son fils. C'est remarquable aussi que Dieu ne lui a jamais parlé de sa longue chevelure parce que le Nazaréen ne devait pas couper sa chevelure. Et Dieu n'a jamais dit à la mère de Samson qu'elle ne devait pas toucher à sa chevelure. Savez-vous pourquoi? C'est parce que toutes les femmes dans son nom laissaient pousser leurs cheveux. Et Dieu n'avait pas besoin de lui dire de ne pas couper ses cheveux. Ça, ça prouve que le modèle dans la Bible, ancien comme Nouveau Testament, c'est que les femmes devaient laisser pousser leurs cheveux librement. À l'homme, il devait dire à l'homme nazéréen de laisser pousser ses cheveux. Mais la femme nazéréenne n'a pas besoin de lui dire parce qu'elle le faisait déjà. J'espère que Dieu va bénir sa parole dans nos cœurs. Qu'on se souvienne que si on va voir quelque chose d'accompli pour Dieu, il faudra passer par des sacrifices tous autres-mêmes. Il faudra être comme des Rachel. Et qu'on puisse se souvenir de ceci. Il y a parmi nous maintenant des frères et des sœurs qui portent les marques, qui sont le fruit des labeurs des autres. Et on ne devrait pas oublier, on devrait dresser, pour ainsi dire, des monuments sur la vie des frères et des sœurs qui nous ont précédés et qui ont laissé des marques pour Dieu.
devrait imiter leur foi et se consacrer à Dieu nous autres mêmes. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On va terminer par la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour les Écritures que tu nous as données. Nous devons cependant courber nos têtes devant toi ce soir avec une mesure de regret et de honte, en confessant, notre Dieu, que nous ne sommes pas à la hauteur de la situation. Mais tu sais aussi que dans nos cœurs, nous voulons nous améliorer. Nous voulons que tu nous réchauffes. Nous voulons que tu nous restaures. Nous voulons que tu fasses de nous, notre Dieu, ce que tu as fait avec un Jacob. Il y a beaucoup à propos de Jacob en nous, mais nous ne voudrions pas seulement être des Jacob, nous voudrions être des Israël. Nous voudrions vaincre pour toi. Nous voudrions être des princes avec Dieu. Accorde-nous donc cette grâce, travaille dans nos vies, brise ce qui doit être brisé, enlève de nos vies ce qui doit être purifié, chasse de nos affections toute idole, et fais, notre Dieu, que dans notre cœur des cœurs, nous allons être dévoués à toi. Préserve et bénis chacun ici à Tracadie. Restaure ceux qui étaient autrefois dans l'Assemblée. Nous prions pour leur restauration. Et notre Dieu, garde-nous dans ta crainte. Nous sommes si faibles. Nous le prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous chantez en terminant, s'il vous plaît, partie d'un cantique. 258, s'il vous plaît. Cantique 258. Rejeté est le Seigneur par le monde renié et négligé par plusieurs, par peu exalté. Mais tout cela va finir dans ce beau jour nouveau, car le jour du roi va venir. Oui, bientôt. On va chanter... Couplet 1, 2 et 3 du cantique 258, et la réunion est terminée. Merci encore pour votre présence et pour votre support. Je dis le Seigneur, Père.